Alors on va les foutre des faut trucs que je me là-bas. Fais de sens comme être. Eh, kebab. Oui. Ça, ça ralentit, ça ralentit. Oh, ah, Maxime. Je sens que Maxime va se faire sauter. Je sens que c'est le premier qui va se faire sauter. Plutôt. Non, c'est bon, il a repris. Non. Je pense que c'est le premier qui aura tout suffi. Il n'y arrive pas. Non. Moi, ouais, il arrive. Moi, je dis que non, c'est vrai que c'est juste. Hein. Tu mets la vitesse à fond. C'est bon. Pendant une minute, tu regardes qui les tient. Je pense que c'est moi le premier qui va me faire éjecter de ma propre partie dans ce cas. Putain, j'ai perdu deux vaisseaux, quoi. Deux vaisseaux, quoi. Vous la pète, ouais. Je suis dégoûté. Usage. Je vais les reconstruire. Aucun succès ne se débloque, Yurtsama, parce que tu n'as pas lancé le jeu en Iron Man. Ouais. Lancer le jeu en Iron Man pour faire le succès. Je préviens que ceux qui jouent en Iron Man, mais qui ont mis quand même ne serait-ce qu'un mode, ne serait-ce que graphique ou musical, n'ont pas les succès débloqués non plus. Ah, ça dépend, il y en a qui sont compatibles. Dépend, hein. Parce qu'il y a... Ouais, il y en a qui sont compatibles. Ouais, il y en a qui sont. Mais il faut bien vérifier qu'ils soient compatibles, quoi. Vu les succès actuels. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, les succès, c'est pas le délire. Bah de toute façon c'est un peu plus compliqué que de faire des délires sur U4 hein, pour le moment. Faut le temps qu'ils réfléchissent à des trucs. Ouais c'est vrai que c'est un peu moins évident. Parce que tu peux pas dire genre commence avec Athènes et fonde l'Empire je sais pas quoi. C'est compliqué ça c'est clair. Vu que tout le monde commence au même stade normalement donc. Non mais bon il y a plein de... Enfin, je sais pas dans une de mes parties j'ai trouvé une étoile entourée d'un anneau. Je sais pas, ça pourrait faire un succès, j'ai étudié le truc. Ah oui. Tu vois ? Oui, ouais. Oui. Tu as des... Souvent c'est les empires déchus qui ont ça. Ouais, mais là donc... des étoiles... Là non, c'était... Moi j'avais trouvé une faction qui avait disparu et qui restait les ruines de l'anneau autour de du soleil. Oui, c'est ça, c'était une ruine que j'avais. C'était pas... Mais ça avait pas donné grand chose. Oui, le... La cervique autour du soleil. De quoi ? Excuse-moi. J'ai une fois une anomalie céramique autour du soleil. Non, non, ouais, ouais. Ça c'est sur Utilis. Ah oui, je l'ai eu celle-là aussi. Je l'ai eu, ouais. Ouais, ça fait du chicoté de mince, désolé. Oh ! Eh, les gens. Oui. J'avais découvert un système seul où il y avait des humains primitifs. Ouais. Il y avait. Bah, qui n'étaient encore c'est que la Terre, non le début de l'âge spatial. Non, non, ouais. Le début de l'âge spatial. Et là, ils sont entrés dans la phase spatiale. Ah. Ils sont xénophiles pardon, et bâtisseurs de fédération, donc ambassade. Faut les buter, ah, mais faut cool. Ah, mais c'est la vraie. C'est la Terre de Star Trek. Ce sont les vrais humains. Ce sont les vrais humains. Les humains qui nous ont été promis. Pas comme tous ces imposteurs là qui nous servent de joueurs. Non, 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 c'est propos racistes antisémites. Moi je dis, on arrive à mal terminer. Hein. Oui, c'est sûr. Oh, pas qu'un. Obévni Unity. À tes souhaits. D'accord. C'était pas ça ? C'était pas très clair. Bah, en fait, je crois que j'ai rencontré. Ça non plus ? Oui. Si. Certes. Et encore. Putain, on se moque, mais c'est pas drôle. C'est clair. C'est pas drôle d'être trisomique, les gars. Discord, moi détesté. Non, mais faut peut-être que tu règles le niveau de capture de ta voix dans les paramètres. Hein. Je pense, ouais. Et ça. Ouais. Empire, déchu, stop. Rencontrer, stop. 0-1, on va se propose. Mais ça marche bien, là. Ouais, non. Ça marche pas bien, là. Stop. C'est RP, moi. Je... Moi, je vais avoir un empire un peu fragmenté, je pense. Hein. Ah bon ? Ah, il y a eu une guerre ou... Qu'est-ce que t'as fait ? Il t'a donné la planète automatiquement ou vous êtes fait la guerre tous les deux, là ? Entre Soleil 28 ouais, peut-être rentrer dans sa zone d'influence, non ? 601... Non, ça marche pas, ça. Il y a pas ouais, mais de... c'est des humains, non enfin... Non, il n'y a pas. Non, les planètes ne se changent pas en fonction des influences. Ça marche pas comme dans Civilisation. Est-ce que je suis pacifiste ? Ouais.
Moi, j'ai une question d'ailleurs. Pas fanatique, donc bon voilà, faut pas me faire chier. Imaginons que j'ai une planète colonisable, mais je sais qu'il y a un empire à côté, mais que je n'ai pas encore découvert. Si je colonise la planète, ah, mais elle doit être sûrement dans ses frontières, tu vois. Ouais. Ça marche ou pas? Bah, tu vas avoir une espèce. Oui, ça marche, oui, tu peux. Hein. Je peux coloniser. Oui, oui. Non, mais tu peux coloniser quand même, oui. Il va mal le prendre. Il faut juste espérer que tu rencontres pas l'Empire pendant que t'es en train de coloniser. Ah, je sais, parce d'accord, que là, je sais où tu veux. Je suis assez loin, en fait. C'est un peu une colonie, on va dire, lointaine. Vous voyez, je vais parcourir une bonne partie de la galaxie, en fait. D'accord. Ouais, mais je vois où tu veux aller. On a les mêmes mondes, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. C'est une taille de 15, il a, c'est ça? On regarde ce plan, là. Celui-là. Ah, pardon, c'est celui à 9. Ah tiens, je vais avoir des primitifs à purger, moi. Ah yes. Ah, notre accord... À purger. Ah, c'est notre accord technologique vient de... Ou pas, hein, ça dépend. Je suis militaire, mais pas... Ils sont quand même spiritualistes, hein, donc... Peut-être les amener dans la vraie foi, on verra ça. Mais il est en train de revenir là-bas. Voyons voir. Je sais pas si le pacte de non-agression va pas nous apporter quelque chose. Enfin, une perte d'influence. Non, pas les pactes de non-agression. C'est que les alliances. Mais écoute, pour l'instant, nous sommes d'agréables voisins, j'ai l'impression, donc c'est très très bien. J'ai l'impression qu'on arrive à s'entendre. En toute intelligence. Je sens la guerre. Plus, t'as trouvé une très belle couleur. Ça va pas durer. Oui, c'est une magnifique couleur, en plus. On partage un magnifique goût. L'esthétique, c'est évident. C'est ça. Esthétiquement, j'ai rien à Barbu pirate. Barbu pirate. Il y a une coalition qui est en train de se faire contre nous, je crois. Oui, ouais, c'est bizarre. As-tu remarqué leur alliance? Ah oui, depuis c'est ceux qui nous insultent depuis tout à l'heure, là, tu sais. As-tu remarqué leur couleur aussi? Oui. C'est couleur sang, tu vois, couleur méchant. À couleur, même pas, ça réfléchit, tu vois. On en parle de la c'est couleur de Codran. Ah, moi, c'est une couleur bien sang. Bien rouge, bien sang, ouais. Bon vieux rouge. Avec un magnifique cercle de la vie pour dire que nous n'arrêterons jamais la guerre. Quelle guerre? Vous parlez de celle guerre que je pouvais déclarer dans le futur. Rappelle que la couleur de l'Empire dépend de la couleur parce que le drapeau. Et puis en plus, autour de moi, j'ai des IA, moi, presque. Il y a des gens ici, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'ai les réflexes de mettre en pause à chaque fois. Ruddles Ruby, c'est à qui ça, Ruddles Ruby? Je viens de rencontrer une nouvelle civilisation. Comment se fait-ce? Tu as mis un mode pour changer les musiques, mais... Quelle hérésie. Pas de problème, hein. La musique est bien, hein, franchement. Oui, mais pas positive. Perso, là, je l'ai enlevé, mais... Après, allez, mettre des musiques Star Trek dans un mode Star Trek, par exemple, ça c'est cool, mais... Oui. Logique. Normal, quoi. D'ailleurs, on va recruter... On va voir. Non, les esclaves, c'est pas trop notre truc. C'est parti, défonçage de drones. Ouais, je vais bientôt m'y mettre à ça, moi aussi. Merde. Bon, allez, deuxième colonie. Dans un sens, avoir été emmerdé par les pirates très tôt, ça m'a obligé à faire une flotte. Non. Et du coup, c'est quand même assez utile plus tard dans la partie. Ah. Putain de merde. Je vais perdre mon vaisseau scientifique. Oh, moi j'ai perdu. J'en ai perdu le petit vol. Yes. Ah non, elle est morte. Putain. Ah, ça c'est chiant ça. Rape. Putain, là, c'est intéressant. Ouais. Mais après.
De toute façon, bon, on va dire que je n'avais plus la place. Enfin, j'ai plus rien à analyser presque. Donc, avoir deux vaisseaux scientifiques, c'était un peu surdimensionné de toute façon. Moi, j'aimerais bien aller. En gros, le problème, c'est que j'ai des vaisseaux spatiaux aliens et puis, qui me défoncent. Là, j'ai quoi? J'ai mining drone, putain, fait chier, mining drone. Bon, c'est parce qu'il y a de plus violent. Bon, je vais les défoncer. Ça dépend combien il y en a dans le système. Là, c'est une puissance de 124 seulement, donc ça va, c'est faisable. Un petit mode Mass Effect, ça serait bien énorme. Oui. Ah, ce serait sympa, ça, ouais. Mmh. Ouais. Je sais que j'ai vu un truc Mass Effect. Ouais. Alors, est-ce que c'est un mode ou est-ce que c'est sur Mass Effect? Vous avez entendu là, ou pas, là? Non, ouais, vous avez rien entendu aussi. Non. La civilisation horacienne, qui est à l'âge du bronze. Les Horaces. Bah, décidément. Vous rencontrez beaucoup de choses bizarres. Ce sont eux aussi des chevaux. Il est temps d'infiltrer leur administration. Il est dégueu. Oh, une belle planète là par contre. Ah, là par contre on va pas être d'accord. Non, on peut pas dire que le premier mode va pas forcément être sur Star Wars, vu qu'il y a déjà un mode Warhammer 40K, mais bon, il est pas, on va dire, ils sont pas encore terminés ces modes. Après moi honnêtement, le mode Star Wars, je suis désolé les gens, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi j'y crois pas trop. Enfin, ça va, il va être fait, c'est sûr, mais je pense pas. Il va pas y avoir des merdes avec les licences et tout. Tu peux pas avoir un départ symétrique dans Star Wars, quoi. Non, mais ça on s'en fout des... Ah, mais il y a des licences comme ça des fois. C'est surtout le côté... tu dois, enfin, je veux dire, dans Star Wars, tu vas pas faire commencer l'Empire Galactique avec un seul système. Tu vois, donc en fait, de ce que j'ai lu sur le topic, ils veulent faire un départ à l'aube de la ancienne République, donc en moins 20 000 avant la bataille de Yavin, un truc comme ça. Ouais. Et bon, franchement, je sais pas quoi, je reste dubitatif. Après, quoi. Ça dépend le développement, mais moi je verrais bien un mode réaliste. Tu vas pouvoir créer des. Stellaris, c'est pas réaliste. Ils feront une carte fixe, tu peux. Non, c'est pas prévu. C'est une question de réalisme. Oui, voilà, ouais, s'ils font. Faut faire une carte fixe, ça peut le faire. Avec un choix. Après, un exemple, c'est que par exemple, la rébellion, c'est avant tout une guérilla, tu vois, donc c'est. Il s'agit de l'Empire Galactique contre la galaxie, et puis. Enfin, l'époque de la rébellion avant la bataille du Yavin. Bah, peut-être à l'avenir, tu vois, quand le jeu donnera les outils. Ça va être tellement déséquilibré que tu te feras juste éclater, quoi. L'épouse Zuck constituante. Mais bon, on verra, on verra. Peut-être mauvaise foi, quoi. Ah. Oui, il y aura sûrement des chapitres, c'est-à-dire qu'il y aurait des sauvegardes, par exemple, avec des galaxies préfaites, en fonction des époques, pour jouer à l'époque de Revan, à l'époque de l'Ancienne République, à l'époque... hein ? Tu sais que le système, il a déjà des stations et tout, autour. Ça va gagner, ouais, c'était celle-là. D'accord. Ok. Moi, je crois beaucoup plus, par exemple, à un mode Star Trek, un mode Mass Effect, Stargate, un mode Honor Harrington, Stargate aussi, pourquoi pas. Stargate, moi, ça me plairait. Ça serait pas mal de pouvoir poser un réseau de portes déjà présent. Mais voilà, Stargate, tu commences. En fait, ça serait pas mal que... Ouais, carrément. Ça serait pas mal qu'en fait, il y ait des comme des portes des étoiles déjà présentes, mais qui seraient effectivement... Pas comme les stations de trous de verre comme aujourd'hui, qui ont une limite de portée. Ouais. Mais où tu pourrais te déplacer d'une station à une autre directement, en fait. Et uniquement d'une station à une autre. Ça pourrait être pas mal. Ah, ça, faut voir après. C'est intéressant. Mais c'est toujours le problème, c'est ce qui te permet de faire le jeu ou pas, quoi. Oui, le jeu n'a pas la possibilité. Hein. Parce que là, pour les je pense Target, que à part des stations portes comme ça serait pas très compliqué. Non, mais il y a déjà des stations hyperespace. Non, c'est qu'à la génération de la carte, il faut que ça se génère automatiquement, quoi, aléatoirement sur la carte. Plusieurs. Oui. Donc ça, par des. Là, moi, je vois que des modificateurs de planètes là. Et par exemple, construire ces portes-là, par exemple, ça serait une technologie que tu peux débloquer uniquement si tu conquiers un empire déchu, par exemple. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ça peut Là, en rétro-ingénierant, voilà, comme ça, en fait, tu aurais un réseau de gates déjà établi. Pareil, parce que par exemple, quand tu prends l'univers d'Honor Harrington, t'as des trous de verre, mais déjà existants en fait dans l'univers, qui permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Et donc ça serait pas mal qu'il y ait, ça serait exactement le même principe en fait, juste un trou de verre naturel entre un point A et un point B, que tu pourrais du coup fortifier, en prendre le contrôle. Après, ce qui serait pas mal aussi, ce serait une expansion avec du commerce,
avec du commerce entre les empires. Puis ça, ça sera un DLC, ça, c'est quand sûr. Même... Oui, ce sera certainement un DLC, mais j'ai hâte. J'ai hâte. On verra bien. Bon, troisième colonie établie. Moi aussi, je vais faire un troisième bientôt. Oh, j'ai une colonie au milieu d'un empire qui s'appelle. Moi, elle est en cours. Je cherche encore une planète habitable. Trois planètes. Ouais, mes frontières, elles sont au milieu. Moi, elle est protégée, celle-là. Moi, je vais devoir partir en guerre, j'ai l'impression. Avec un rookie. Malheureusement. Aïe. Oh. Bon, ils sont où les chevaux? Ah, mais ils sont là. Je voulais pas à l'origine, hein, mais. Ouais, il y a quoi le problème avec les chevaux là, hein? Je les voyais plus trop avancer en fait, je me demandais où ils étaient passés, mais c'est bon. Il y en a un qui a deux ressources de Betarian sur le même système, quoi. Putain, je sais pas qui c'est là. Je sais pas qui c'est là, à gauche de Tips, mais. C'est Rekai. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais. T'es en train de développer le Betarian aussi. T'en as deux dedans. Dans 6 mois, j'ai développé. Ah, mais tu l'as pas encore la tech. Non, dans 6 mois. Bon, bah, tu le sais que tu vas en avoir 2. Si moi, je les vois en fait. Quintus, Empire Despotique. T'as toujours qu'une seule planète, Quintus ? Planète, le système à 7 de société. Moi j'en ai 5. Hop, station de minière. Bonsoir, tatou blindé de Aldébaran. Alors, Phantom, c'est peut-être pas une bonne idée, tu ferais mieux de regarder un let's play si tu vois. Qu'on t'explique le jeu. Ah oui. Voilà. Il demande qu'on lui explique le jeu. Ah, effectivement, ouais, faudrait mieux. C'est un peu vaste comme sujet. Ouais. Ça risque d'être compliqué là, comme ça, ouais. C'est légèrement vaste comme sujet. Oh, c'est un joli système, ça. En avant, vers la victoire. C'est un 4X grande stratégie spatiale. Not enough minerals. Quintus, t'as un manque de minéraux, d'accord. Ouais. Mais je viens de croire. Essaie de compenser en construisant des trucs de minéraux sur ta planète qui t'a écrasé. Je crois qu'on a fait un accord commercial. Je lui ai échangé 90 minéraux contre 300 d'énergie. Oh, sympa. Ah bah. C'est lui qui a proposé, hein, c'est pas moi. J'ai 580 d'énergie. Genre un Total War. Pas tout à fait Total War, je dirais. Oula, ouais, l'énergie, c'est pas le truc le plus important du monde dans ce jeu, du coup. On gère pas du tout. Ah, rien à voir. Ouais. Sauf quand tu as des grosses flottes et que. Civilisation. Ah, parce que tu as une grosse flotte. Est-ce qu'on te conseille l'achat du jeu? Bah oui, certainement. Bah regarde déjà et regarde. Je suis pas la personne à qui me poser la question. Ouais, oui, voilà. Après, c'est une fois qu'il voit. Faire c'est ton opinion, ouais. T'as des centaines d'heures de contenu sur internet. Oui. Tu jettes un œil et puis tu te fais ton opinion, quoi, hein, tout simplement. Hein. Bon, d'accord. Quand on a une planète qui est colonisable et qu'on a déjà une station qui est autour, la station disparaît pour qu'on colonise la planète. Ouais. On les stations avec toi. Ouais. Moi, c'est ce qui est arrivé avec un empire. J'ai colonisé donc une planète. Et je suis au milieu de ses frontières, cette planète est au milieu de toutes ses frontières, ça c'est drôle. Et je lui ai chopé du coup ces stations qui est 2 d'énergie, 2 cristaux, 2 de minerais et 3 d'ingénierie. Ouais. Ce qui a dû mais tu sais que ce qui peut se passer, c'est que ça peut arriver en plein milieu d'un empire déchu, ça. C'est que tu colonises une planète, puis après tu rencontres l'empire déchu, et là t'as ta planète en plein milieu de l'empire déchu, tu fais oups. Voilà. Oh, merde. Ça a pas marché l'échange, Pookies? Si, c'est bon. Ah. Si vous voulez voir un let's play, hein, si vous voulez, il y a déjà au moins 36 épisodes sur ma chaîne. Hein, bah déjà, tous ceux qui sont là et qui parlent, déjà ils en ont fait. Publicité! Publicité! Ouais. Il est pas grave de la publicité. Mais c'est son live, putain. Bah, c'est mon live, je fais de la pub pour ma chaîne si je veux quand même. Ça n'a pas d'intérêt vu que ce sont tes abonnés qui regardent. Voilà, ils savent déjà. Bah oui, mais on dirait que non. Qu'est-ce qui se passe quand on perd? Il y en a qui débarquent sur le Twitch parce que. T'as pas le droit de faire la pub. Qu'est-ce qui se passe quand on perd? Bah t'as perdu. Bah vous allez voir ce qui se passe. T'as perdu, tu peux aller. Ah d'accord, pour voir. Tu peux aller plus loin dans un coin.
Oui, tu peux pas. Non, mais il y en a un qui m'a montré. Je sais plus qui c'était qui m'a montré sur Twitter. C'était sur une galaxie petite, genre 150 étoiles. Et il a eu l'invasion extra-dimensionnelle. Elle fait mal, celle-là. Elle fait très mal. Ouais.